Salut les barbus, c'est Urial et aujourd'hui on va voir l'infanterie section de chez Bolt Action pour des Français en early war. Alors, je vous ai pas fait d'unboxing parce que c'était juste un blister assez classique. Je vais juste vous dire moi comment j'ai peint ces petites figurines. Alors, le premier truc c'est que j'ai peint en beige clair suivant une photo que j'avais vue sur le net, sauf qu'en fait c'est des photos qui datent d'après pour Vichy, donc je vais les assombrir un petit peu, vous le verrez sur les images. Donc mon premier truc c'est je fais tout ce qui est manteau et aussi le pantalon en beige clair, mais moi après j'utiliserai un mauve, enfin un brown mauve un peu plus sombre pour la suite, mais bon là je l'ai fait en beige clair, c'est pas dramatique. L'idée c'est que c'est bien sûr ultra dilué pour que ça aille vite, que ça rentre dans les creux, que en plus on voit toutes les arêtes, tous les détails de la vidéo, donc enfin de la vidéo, de la figurine. Excusez les barbus, je suis pas réveillé hein, parce que pour une fois je fais la vidéo le lundi matin parce que je suis complètement à la bourre, je suis un peu à la bourre, voilà, on va dire ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, la totalité des 10 figurines m'ont pris approximativement 1h57 minutes. 1h57 minutes. Donc ça fait quasiment 2 heures. C'est pas beaucoup, je veux dire, se ramener à la figurine, on est bien, on est vraiment bien. Donc je suis assez content de ma technique. Vous avez vu, j'ai fait les socles avant et c'est normal. Comme tout le temps, je mets une espèce de pâte acrylique. Avant, je ferai un petit tuto là-dessus incessamment sous peu, parce que effectivement on m'a beaucoup posé de questions là-dessus, donc je vous montrerai un peu comment ça se fait. C'est assez rapide, assez simple, et puis ça donne très, enfin, ça donne bien. Donc vous voyez là, je fais vraiment toutes les parties beige, donc c'est assez fastidieux, mais au moins quand les 10 figurines sont faites, on a fini complètement. C'était la partie, enfin c'était l'une des parties les plus longues, parce qu'après on a quand même tout le reste, c'est-à-dire la peau, le bois, le métal, et notamment le métal. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le casque pour essayer d'avoir des reflets un peu différents en fait, entre le bas du casque et le haut du casque. Je fais un petit dégradé un peu non métallique, mais vraiment très léger, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait de non métallique, les barbus, vous allez voir, ça ne va pas vous changer la vie, c'est pas non plus très compliqué, vous allez voir. Je vais vous montrer et on va vraiment bien s'en sortir ensemble sur cette technique qui est ultra simple. Hein. Moi, vous savez, c'est du speed painting. Mon but, c'est pas d'avoir une armée qui va gagner un Golden Demon. Non, moi, mon but, c'est d'avoir une armée jolie, visuelle, parce que c'est pour ça que je fais tout en clair, pour qu'elle se voit sur la table. Donc là, on passe au marron. Enfin, c'est pas un marron, c'est un Yellow Sunburst pour faire les espèces de bandes de tissu qu'ils ont sur les jambes pour avoir une différence couleur. Alors en fait ça change rien, c'est vraiment, enfin moi je le vois parce que je le sais, mais sinon je pense que les gens ne se rendront même pas compte. Donc c'est assez rapide à faire, voilà, j'ai fini. Donc là après on va passer vraiment partout là où il faut et après on va passer au marron pour faire les bottes, je pense. Donc c'est quand même une technique qui est assez simple. Hein. Le but, c'est comme numéro d'art, on remplit les numéros. D'abord, on commence par une couleur. Ensuite, on fait par une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à avoir une figurine qui est finie. Et qu'on puisse l'ancrer, faire des highlights en blanc, parce que du coup, ça les ressort vraiment bien. Le highlight en blanc, c'est vraiment quelque chose de différent d'habitude. C'est-à-dire que là, on ne va pas poser un trait, mais on va vraiment déposer quelques gouttes, enfin quelques grains de pigments. Quoi. C'est vraiment... Donc là, je fais tout marron. Alors, j'ai vu aussi qu'il y a sur certaines photos historiques, l'équipement n'est pas en marron, mais en vert clair. Donc, moi, j'ai vraiment pris la photo que j'avais trouvée qui me plaisait bien. Donc, si vous voulez un truc plus historique, il faut plus de vert. Et donc, du coup, les socages seraient en vert clair et pas en marron. Bon, après, ça, c'est vraiment un détail. Ça rajoute une couleur, par contre. Hein, donc, ça rajoute forcément du temps. Parce que vous avez quand même des trucs qui restent en marron, comme le fusil. Ça, c'est une obligation légale, hein. Le fusil sera forcément en marron. Donc, à vous de voir. Moi, j'ai préféré faire les sacoches marron. Ça ressort plus, c'est plus joli. Pas trop historique, bon, voilà. Ça, après, c'est vous qui voyez.
L'important, c'est de vous sentir bien avec la figurine que vous allez peindre et que quand vous la regardez, vous êtes content de la vous. Hein. Donc, il y en a qui préfèrent full historique, il y en a qui, comme moi, on sont assez tranquille avec les détails historiques. Bon, vous avez vu, j'ai mal cadré. Hein. Ça, c'est un énorme problème chez moi. Pourtant, j'avais vraiment bien fait les détails au début. J'ai vraiment bien pris la tête, mais encore une fois, je me suis loupé. Donc, vous voyez, j'ai dilué bien la peinture. Parce que plus elle sera diluée, plus on verra les traits derrière, et moins je m'embêterai quand je vais pouvoir faire mes highlights, parce que je verrai tout. Donc, c'est très important de bien diluer sa peinture, pas trop quand même, parce que sinon ben, vous allez voir que vous la verrez plus du tout. Mais il faut bien, faut trouver le bon ratio. Donc vous voyez, j'ai pas eu le temps de beaucoup attendre. Là, je vais finir les dernières figurines et en fait, ça va s'enchaîner assez rapidement. C'est-à-dire que dès que vous avez fini votre dernière figurine, c'est pour ça qu'il faut bien les mettre dans l'ordre, vous pourrez commencer les premières que vous avez faites parce qu'elles seront sèches et comme ça, vous perdrez pas de temps parce que l'un des trucs qui vous prennent le plus de temps dans une figurine, c'est quand vous diluez et que c'est pas sec. C'est pour ça que moi je préfère faire à la chaîne parce que du coup je suis sûr de pouvoir aller d'une figurine à l'autre sans avoir des figurines qui sont pas sèches et du coup la peinture pourrait se mélanger entre eux et puis ça pourrait faire des pâtés, enfin ce genre de trucs. Donc après ça se rattrape, hein, il n'y a pas de problème, mais si on peut éviter, autant le faire. Donc il y a beaucoup de marron, mine de rien, et surtout contrairement au beige. Le marron, lui, il est assez dispersé sur la figurine et donc du coup, c'est lui qui va prendre le plus de temps au final parce qu'il y en a partout. Donc c'est vrai que c'est un truc qui m'a pris beaucoup de temps. Mais comme vous voyez, bon voilà, hein, quand on est devant son établi et on n'a rien d'autre qui peut vous ennuyer, ben, on y va, on fonce. Alors moi, ce que je fais, chaque figurine, quand j'en ai marre, je dis bon, allez, encore une dernière. Allez, encore une dernière. Allez, encore une dernière. Allez, je fais tout le marron, puis après je m'arrête. Comme ça me motive d'avoir des petites étapes. Et au final, j'arrive à tout faire. Voilà. Là, par exemple, ces figurines-là, je les ai fait quasiment en instantané. C'est-à-dire que j'ai fait tous les aplats en une seule session de peinture. Et c'est après que j'ai fait l'ancrage et les éclaircissements. Mais en fait, si vous me motivez étape par étape, vous verrez que pour ceux qui, comme moi, ont des fois du mal à aller jusqu'au bout de la figurine, ça permet de se motiver tout seul et d'aller vite au final. Hein, parce que quand on est bien concentré et qu'on a vraiment cette idée de se dire, allez, je fais tout le marron, ben, au final, on est tellement concentré sur son travail en essayant d'aller vite parce qu'on en a marre. Eh ben, ça va vite, tout simplement. Et quand on a fini toutes les figurines, on fait classe. Là, par exemple, vous voyez, il faut que je me motive à sous-coucher les nouvelles figurines. Donc là, on va faire la peau. La peau, c'est pareil, c'est pas très long, mais quand même. Parce que là, on va faire la peau un peu diluée. Hein. Là, on le voit pas, c'est dommage parce que je suis un peu lieu de la caméra. Mais un peu diluée. Et ensuite, on va passer avec du blanc tout de suite. On va pas laisser le temps à la peinture de sécher pour pouvoir avoir une partie rose un peu. Enfin, moi, je vais passer quasiment du blanc partout, mais après, je vais appuyer sur les pommettes, je vais appuyer sur le menton, je vais appuyer. Voilà, on peut pas voir. Ah, j'étais un peu plus sympa là. Alors, c'est pour le casque. Donc, ouais, en fait, là, j'ai arrêté de faire toutes les figurines parce que je me suis dit la figurine, enfin la vidéo va durer longtemps. Donc là, vous voyez, je passe du gris partout et après j'encre avec du noir, mais du noir ultra dilué sur les bords. Et après, je vais aller avec du blanc, aller chercher mon noir pour avoir un espèce de dégradé. C'est un dégradé ultra simple, vraiment violent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le dégradé vraiment propre, mais c'est pas grave, il n'est pas là pour ça, ce dégradé-là. Il est vraiment là pour avoir une impression de lumière sur le haut du casque. Puis on va refaire de toute façon des highlights. Donc c'est vraiment l'histoire d'avoir une couleur plus claire en haut, plus sombre en bas. Et puis c'est tout. Hein. Puis après il y a le canon et on n'en parle plus. Donc là comme ça on a fait une figurine. Vous avez vu, c'est hyper simple. Après on va revenir dessus pour avoir des highlights. Donc là j'ai fait tout le gris. Maintenant je vais faire le gris des socles pour avoir les pierres en marron, enfin en gris, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ce qui nous permet d'avoir
vraiment quelque chose qui aura des couleurs contrastées entre le gris des pierres, le beige du bois, parce que là, bon, il n'y en a pas, mais sur les autres figurines, j'en ai faites, pour voir les socles des cavaliers notamment, et le vert de l'herbe, on aura vraiment un joli contraste, ce qui va être vraiment bien. C'est aussi le moment où on refait tous les détails. Donc là, on a des figurines qui sont jouables. Voilà. Déjà, on finit le socle et on a une figurine jouable. Moi, j'ai fait un ancrage et du highlight quand même, parce que ça ne me suffit pas. Donc voilà, là, je vais ancrer à la Grax. Donc, contrairement à mon habitude, vous allez voir que je vais être un peu plus soucieux de ne pas en mettre partout. Vraiment partout. Je vais essayer d'en mettre un peu moins que d'habitude, parce que sinon, bah, effectivement, on va avoir une figurine qui va être beaucoup trop chargée et qui va changer la couleur, et au final on va pas voir les détails que je veux montrer. Donc il y a des endroits où j'aurais pu en mettre moins. Alors, par contre, le socle, je le charge. Alors lui, il prend cher parce qu'en fait c'est la seule couleur. Voilà, comme ça on est tranquille. C'est assez violent, mais au moins on est tranquille, on a tout fait. Et voilà, et donc je vais aller mettre de l'encre vraiment là où je veux. Je vais en mettre partout sur la figurine, mais comme plus comme un filtre. Voilà, j'ai quand même plutôt filtre. Et là, on a une figurine qui a déjà plus que de la gueule, mais on va faire un des highlights quand même. Voilà, donc là, on finit le socle. Donc voilà, quand ils sont tous finis, maintenant, je vais faire des highlights. Et pour les highlights, c'est simple. Je vais d'abord enlever le surplus de peinture sur mon pouce. Comme vous pouvez voir, mon pouce a toutes les couleurs chamarrées de la vie. Et pour ça, il faut vraiment bien enlever énormément de peinture. Il ne faut pas qu'il y ait trop de blanc. En fait, le blanc doit être suggéré sur la figurine. Il ne faut pas qu'il y ait un trait. S'il y a un trait, c'est que vous avez raté le coup. D'accord ? Donc, il faut vraiment bien se motiver. Après, on fait le contour en noir. Et après, on n'a plus qu'à mettre l'herbe et on a fini la figurine. Alors voilà, là je mets un peu d'herbe un peu partout, pas trop, parce que je veux garder du marron. Et après je vais rajouter, pas forcément partout, mais sur celle-là je vais rajouter de l'herbe statique. Donc là, hop, on met une petite herbe statique, et voilà, on a quelque chose de joli. Après, bon ben, on va faire toutes les figurines comme ça. On n'est pas obligé, voilà, j'en fais une deuxième avec un petit, avec une petite touffe, un petit buisson, quoi. Voilà, c'est pour changer un petit peu. Vous pouvez mixer, vous pouvez mettre aussi de l'herbe statique et des buissons. Mais comme il y a déjà les cailloux, je pense que vraiment on n'a pas besoin. Donc soit le buisson, soit l'herbe statique. Moi j'aime bien l'herbe, enfin pas l'herbe statique, mais l'herbe folle un peu. J'aime bien l'herbe folle parce que ça rend vraiment bien et c'est pas trop chiant à mettre. Donc, et puis ça tient bien sur le socle. Alors que le buisson, vous allez voir à un moment ou à un autre, il va falloir le recoller. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Ça donne un autre style, le buisson, c'est un peu plus... on est plus dans du maquis, quoi. Voilà, ça peut être sympa. Puis il y en a 100, vous pouvez mettre 100 aussi, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas très long à faire les socles. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez simple. Mais je vous ferai un tuto complet sur les socles, parce que je sens que ça peut être intéressant. Donc voilà, quand je les ai peints, on a quand même quelque chose qui a de la gueule, qui est visuel. Donc c'est-à-dire que surtout, à 1 mètre de la table, vous allez les voir. C'est ça le plus important pour moi. On a des figurines qui m'ont pas pris beaucoup de temps. Bon, là, vous le voyez avec les cavaliers aussi. 2 heures, enfin, à peu près 2 heures, c'est quand même pas si long que ça. Et ça vaut le coup. Donc là, vous voyez, je les ai réassombris. Donc, les barbus, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos commentaires, enfin, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos et à nous soutenir via Tipeee si vous voulez nous donner un petit pourboire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les barbus et que le poil soit avec vous.